Bonjour à tous, moi c'est Léa. Donc je suis élève Liberté. J'ai commencé la formation de Lucie cette année au mois d'avril. Et donc du coup je vais vous apporter mon petit témoignage aujourd'hui sur mes avancées pour les premiers mois. Alors, qu'est-ce que je faisais moi avant? J'ai fait des études en psychologie, donc hors sujet avec la rédaction web. Et du jour au lendemain, j'ai tout plaqué et j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Et je ne trouvais pas. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je veux pas? Et rapidement, il s'est avéré que je voulais pas avoir un métier dans les cases, comme on dit, métro, boulot, dodo. J'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de vivre d'une passion pour avoir envie de me lever tous les matins. Donc j'ai trouvé le métier de rédacteur web. Et puis je me suis dit, mais oui, mais ça a l'air super, ça correspond. Et là, j'ai sauté le pas de commencer à me former. Non, sans peur, bien sûr, parce que on sait, c'est pas des métiers qui sont forcément tout le temps très connus pour le moment. Et puis que de toute façon, d'entreprendre fait peur. Mais en fait, je pense que quand on a ça en nous et qu'on n'envisage pas les choses autrement, de toute façon, il faut se jeter à l'eau. Donc, je l'ai fait. Et voilà, donc du coup à l'heure actuelle je suis presque à la fin de la formation, à l'avant-dernier module et complètement épanouie. J'ai commencé du coup à facturer des clients assez rapidement, ce qui m'a rassurée et ce qui m'a permis de voilà d'investir du temps et de l'énergie sans avoir l'impression de perdre justement du temps ou sans avoir trop peur de me prendre un mur. Donc, qu'est-ce que j'ai. Oui, rapidement monter ma boîte aussi pour avoir voilà, un numéro Siret et pouvoir démarcher plus sérieusement des clients, ce qui m'a permis finalement d'avoir des contrats très intéressants, notamment des contrats de budget fixe par mois. Qui est super rassurant, surtout du coup au début, de savoir que tous les mois on va avoir sur 300 € puis finalement 600 € parce que le travail plaît et qu'on double le nombre d'articles qu'on alloué par mois. Donc voilà, ça c'est des contrats qui m'ont boosté et donné envie de continuer. Donc à l'heure actuelle j'ai 9 clients. Donc certains qui sont voilà permanents et enfin récurrents du moins et qui m'apportent un petit salaire fixe tous les mois et d'autres qui me sont venus pour quelques missions et qui reviendront peut-être à un moment donné. Donc voilà, sans avoir encore complètement fini la formation et sans non plus être allée démarcher énormément, et ça c'est super rassurant. Et aussi de constater qu'il y a quand même de la demande et que les trois quarts des gens, enfin la petite expérience que j'ai, en tout cas c'est des personnes qui viennent et qui se rendent compte que oui, ils savent écrire parce que tout le monde sait écrire, mais ont besoin d'avoir vraiment du contenu de qualité et ils n'ont pas envie de perdre leur temps et leur énergie à le faire eux-mêmes pour pas avoir de résultats. Donc je me rends compte déjà à l'heure actuelle qu'il y a de la demande. Donc voilà, tout ça est très encourageant. Et donc si vous hésitez, moi j'ai envie de vous dire, écoutez, essayez, vous n'avez pas grand-chose à y perdre. Et de toute façon, si c'est en vous, c'est que c'est pas pour rien non plus. Voilà.